Alors bonjour, nous allons parler du Portugal aujourd'hui, un pays riche en culture et très touristique. Pour en savoir un peu plus, nous accueillons Jorge da Silva. De nationalité portugaise, il a quitté son pays pour s'installer en France. Bonjour Jorge. Bonjour Jorge. Bonjour. Nous savons que vous avez grandi au Portugal. Pouvez-vous nous raconter un joli souvenir d'enfance? J'ai resté au Portugal jusqu'à l'âge de 30 ans quand même. J'ai énormément de souvenirs du Portugal. Mon enfance, les gens ils sont plus... En fait, ils sont plus chauds au Portugal qu'ici. Ici, c'est un petit peu plus froid. Alors, voilà, c'est plus ça, en fait. Les Portugais accordent beaucoup d'importance aux traditions et aux coutumes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, en Noël, surtout. En Noël, même là, comme on va arriver en Pâques, ils sont avec les Pâques, c'est super important aussi. Parce que là, les gens, ils font encore le carême. Et tout ça, que pendant une semaine, les gens ne mangent pas de viande, ils mangent uniquement du poisson. Ouais, il a énormément de traditions qui restent encore aujourd'hui. Hein. Surtout les traditions religieuses, parce que c'est un pays vraiment catholique. Aujourd'hui, nous savons que vous vivez librement de votre orientation sexuelle. Pouvez-vous nous dire à quel âge vous vous en êtes rendu compte et comment avez-vous réagi? Bah, c'était déjà assez tard. Parce qu'en fait, comme j'ai habité dans un petit village au Portugal, même si on sait qu'on a une orientation sexuelle différente, même pour nous-mêmes, on refuse quand même. Alors, je me suis assumé pour moi-même. Pour moi-même, j'avais déjà 20 ans. Et après, devant les autres personnes, j'avais 30 ans, 10 ans après. Au Portugal, vous avez subi du harcèlement, ce qui vous a certainement laissé des traumatismes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, si ce n'est pas trop indiscret? Non, je peux parler librement. Je souffre de harcèlement, même de violence physique. J'avais des personnes, mes parents sont des paysans, on est en ferme. Il y avait des gens qui venaient à 3h du matin taper au portail de la ferme à 3h du matin. Dire « dégage d'ici » et tout ça. Des fois, j'étais dans des restos et les gens m'attendaient dehors et ils me tapaient dehors quand je sortais du resto. Alors, c'est pour ça que j'ai dit « stop », pas pour moi, mais plus pour ma famille, pour les enfants, ma sœur et tout ça. Et je suis parti du jour au lendemain comme ça, avec un sac à dos et une valise, et je suis parti. Vous avez eu des moments compliqués là-bas. Néanmoins, aviez-vous un endroit où vous aimiez vous réfugier? Franchement, non. Il arrivait plus d'endroits où je me sentais bien. Parce qu'en fait, quand on est harcelé, on a peur. Même si on est à la campagne, on a peur, on a toujours peur. Un minime bruit, une chose que, surtout quand on souffre de violences physiques, non, on n'a pas, même à la maison, comme les gens. Au Portugal, vous avez été maltraité à cause de votre orientation sexuelle. Est-ce que la mentalité a changé depuis au Portugal? Ça a changé énormément parce que moi, c'était une des premières personnes dans mon village m'assumer. Les gens, ils parlent, mais il n'a rien à voir. J'ai des connaissances qui sont mariées. Il a toujours quelqu'un qui parle, mais il n'a rien à voir avec comme c'était avant. Hein. Rien à voir. Mais ça laisse des traumatismes. Moi, chaque fois que je pars en vacances, je ne me sens pas bien. Je sens que c'est plus mon pays. Et c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup. Et quand je vais, c'est uniquement pour ma famille. Mais ouais, la mentalité, elle a changé énormément. Quelle vision avez-vous du Portugal aujourd'hui? C'est un super bon pays, pas comme avant, parce que maintenant, ça a trop évolué, même comme un petit peu partout. Moi, c'est un pays, c'est où je suis né, le pays où se trouve ma famille, mais je sens plus que c'est chez moi. C'est plus chez moi, en fait. Pour moi, maintenant, chez moi, c'est ici où je suis, en France et en Haute-Savoie. C'est ici que c'est chez moi. Suite à votre départ en France, quel plat culinaire vous a le plus manqué? Ah, il y a un plat qu'on dit que s'appelle en portugais carne de porco alentejana, que c'est viande de porc alentejana, Portugal, là où j'habite, au côté sud. Ça me manque énormément parce que j'arrive pas à trouver ici. Pastel de nata, ça me manque aussi. C'est la première chose que quand j'arrive au Portugal, que j'ai fait tout de suite, c'est un café et un pastel de nata. Parce que le café, déjà, c'est pas pareil qu'ici. C'est vraiment petit. Et après, le pastel de nata, c'est vraiment, même si on mange ici en France, c'est pas pareil qu'au Portugal, en fait. C'est pas le même goût.
Nous savons que vous habitez en Haute-Savoie. Pouvez-vous nous parler de l'amour que vous avez développé pour cet endroit ? J'habite en Savoie, en montagne. Bah, j'ai un amour énorme pour la montagne, surtout pour les animaux. Après, je suis un accro pour les bouquetins. Vraiment accro. En fait, c'est eux qui m'ont changé la vie, qui m'ont sauvé, que j'ai passé des moments énormes tout seul avec eux. Et ça m'a donné d'espoir. La montagne, c'est tout pour moi, en fait. Je pourrais pas, même si j'adore la France, si j'allais à Paris, je pense que j'étais malheureux. Bah, franchement, la montagne, notre Savoie, être complètement isolé, c'est tout pour moi. Quand vous retournez au Portugal, où aimez-vous aller? En fait, quand je retourne au Portugal, je vais uniquement chez mes parents. Si je reste une semaine, des fois, je suis une semaine uniquement dans la ferme de mes parents. Ils ont une grande ferme avec plein d'animaux. Je ne sors pas spécialement. Cette année, c'est prévu aller 10 jours. Déjà parce que maintenant, j'ai un chéri, je suis en couple. Ça fait 2 ans. Je vais présenter mon chéri à mes parents. Et on prévoit faire, parce que je ne connais pas, comme je suis sorti du Portugal, et je ne connais pas beaucoup. Et on va faire un tour du Portugal du nord au sud, tous les deux. On a loué un Airbnb. Et on va laisser mes chiens chez ma mère parce que ma mère elle adore les animaux. Mais les autres fois que j'ai été, c'était uniquement aller chez mes parents et je ne sors pas. Merci Georges d'avoir répondu à nos questions sur le Portugal et sur votre vécu. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent réécouter cette interview, rendez-vous sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Bon, merci à vous, c'était un plaisir.